Dites-moi si vous êtes là. Bonjour à tous. Parce que ma page là, vraiment, ça n'y tient plus. Je vois même pas commenter. Je ne sais pas s'il y a... Coucou, est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe si vous êtes là. Commentez beaucoup, peut-être que ça va déclencher. Allô, allô? Ah, merci beaucoup, Mawan Habib. Sana Yakuba, merci beaucoup, voilà. J'ai que deux commentaires, c'est bon. Donc ça veut dire que il y a des clients. Alors, bonjour à tous, Amiral Blendé. Alors, je me suis réveillé avec une vidéo. Dès que je suis allé sur... ma page Facebook, j'ai vu un imbécile du PPACI en train de dire des bêtises. Hervé Didier, tu sais, la jalousie là, ça rend pauvre. La jalousie là. Ça fait que dans la vie là, quand les gens savent que ouais, tu es jaloux là, ils vont commencer à te détester. La marche du 13 là, ce n'est pas organisé pour ton papa. La marche là, du 13 là, n'a pas été organisée pour que le nom de ton papa imbécile là, soit sur la liste. Nous parlons au nom du président Laurent Gbagbo. Tu sais, j'ai écouté ta vidéo, j'ai pris le temps, j'ai écouté. Ce que j'ai compris là, ça veut dire que comme l'initiative ne vient pas de toi, tu es jaloux des personnes qui ont organisé cette marche-là. Tu dis dans ta vidéo que est-ce que si nous les soloïstes, si on vient à la marche, les slogans que vous allez avoir là, est-ce que nous on aura les mêmes slogans vu que Alassane Ouattara et Guillaume Soro se sont appelés? Mais j'aimerais te dire quelque chose. Le président Gbagbo Laurent là a reconnu le pouvoir illégal, le troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara. Il a même appelé le président. Il s'appelle au téléphone et ils font beaucoup de choses. Est-ce que cela veut dire que le président Laurent Gbagbo il est RHDP? Non. Tu sais, nous, GPS, là, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Nous, au GPS, là, nous, on ne coupe pas après quelqu'un. Je m'adresse à toi, hein, les PPACI qui ne vont pas comprendre, là. En tout cas, chacun est libre de comprendre comme il veut. Nous, là, on ne coupe pas après quelqu'un. Moi, personnellement, là, moi, mon côté GPS, là, je ne peux pas courir après quelqu'un. Tu sais, si tu ne peux pas apporter ton soutien à cette marche, là, tu la fermes. Et puis tu t'assois, tu nous regardes. Nous ne sommes pas des suiveurs. Bah, à la manière que tu parles, c'est comme si c'est nous là, on force, on court après le PPAC. Tu es plus intelligent que le président Laurent Gbagbo. Quand lui, il envoie une délégation chez Soul to Soul, quand il reçoit Soul to Soul chez lui là, est-ce que toi, tu es plus intelligent que le président Laurent Gbagbo? Tu es plus intelligent et mieux placé
dans le cercle du président Laurent Gbagbo que Damana Picasse ou Katina. Mais toi, tu es un ramasseur de bon. Toi, là, tu es un ramasseur de bon. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a une cérémonie au PPACI, là, les gens qui doivent être chefs pour ramasser les balles, les tables, c'est toi, Evry Gégé Nyamouro Dialadou. Ton pied penché, là. Qu'est-ce que tu veux envoyer encore? Alors, j'aimerais dire quelque chose ici au PPACI. De faire très attention à ce gros maudit, là. Ce gros jaloux, là. Dites à Evry Gégé, là. Il n'est pas là pour le bien du président Laurent Gbagbo. Lui, il cherche, ça veut dire, il cherche une position pour être devant. Mais l'initiative que l'autre a pris, comment on appelle ça, Gbagbo Kone a pris là, mais tu l'as jamais fait. Même quand tu fais là, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Parce que tu es jaloux. Tu es jaloux du petit. Le petit, il se bat, ses parents sont menacés. Il dit tout, il n'a pas peur de le dire. Mais si tu vois les gens mobilisés aujourd'hui là, c'est parce qu'il est, c'est-à-dire, il est tellement déterminé dans l'affaire de Gbagbo Laurent là. Et puis, c'est-à-dire, un nordiste qui est déterminé. Quand on le voit là, on sait que le petit, il est sincère. Toi, tu vas venir dire aux gens, non, tu vas venir dire aux gens, non, pourquoi les soroïs vont venir. Si on veut là, on ne part pas et puis il n'y a rien. Le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, tu penses que c'est que nous? C'est tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est tous les partis politiques qui sont privés. Maintenant là, quand il y a, ça veut dire quand il y a l'union là, faut pas venir mettre, ta gueule là dedans pour venir dire non. Hey, si vous voulez là, marchez. Mais comme c'est pas, le PPACI n'appartient pas à ton favro là, il faut qu'il y ait, mets compte de ton papa d'abord. Il faut arrêter tes trucs. Il faut arrêter tes bêtises. Ta jalousie là, il faut arrêter. Toi, tu n'es pas un homme. Toi, Evry Gégé là, toi et moi là, on s'est plusieurs fois vu. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'es pas un homme. Si tu ne peux pas apporter, il y a que dit en politique là, il y a tout, hein. Tout est possible en politique. La personne qui a envoyé Draman Ouattara en exil, là, c'est la même personne qui a dit aux Ivoiriens que Draman Ouattara, il est bon. De le voter, paix à son âme, Henri Konan Bédié. Mais toi, tu veux nous dire quoi? Depuis que tu sautes là, tu as pu changer quoi même au PPACI? Toi, là, tu as pu changer quoi? Qui c'est là qu'on voulait changer? Qu'est-ce que tu as changé au PPACI, là? Tu as apporté quoi au PPACI? Rien, rien du tout. Alors si tu n'es pas dedans, tu peux te comporter comme Blé Goudé. Blé Goudé là, si lui ne respecte pas aujourd'hui, il va prendre balle perdue. S'il ne respecte pas aujourd'hui le président Laurent Gbagbo là, c'est parce qu'il a vu que sa place n'est plus. Les Picasso ont déjà pris ça. Voilà pourquoi il est jaloux. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui que lui là, a fait des matchs du 13 là, qu'il n'est pas dedans. Mais c'est ce que toi tu es en train de faire. Donc tu es en train de dire, même en 2020, il y a vous dit quelque chose aujourd'hui, celui là, c'est mon grand frère, il m'a toujours insulté quand on est en privé là. Quand je sors, je fais mes vidéos pour attaquer Gbagbo ou bien le pro Gbagbo là. Souley, souvent même là, et on peut rester des semaines, on ne se parle pas. Nous là, chez nous là, c'est sincérité. Sincérité là, c'est quoi? Il faut dire vérité, même si ça fait mal. Souvent, il me parle comme si j'étais un chien. Mais comme moi j'ai un promoteur, bah j'essaie de répondre à ma manière dans le respect. Et après chacun reste dans son camp. Mais cela ne veut pas dire que ouais, qu'on ne doit plus se parler. Tu es en train de montrer aux gens que c'est lui qui a eu l'initiative là, du 13 là, que tu n'aimes pas, que les actions qu'il mène là, qui prend aujourd'hui de l'ampleur là, que toi tu es contre. Alors toi tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es pour la marche. Parce que ça ne vient pas de toi. Est-ce que toi, là, tu peux dire aujourd'hui, non, on va lutter pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste? Il faut voir comme ce truc-là, c'est-à-dire, de la manière à faire du 13, là, a pris, là. C'est-à-dire, tellement ça a pris, mais c'est toi qui veux gâter. Mais Dieu merci, comme tu ne pèses pas, non, ça ne va pas passer. Mais on dit, quand tu marches, quand tu danses avec un aveugle,
Il faut souvent lui marcher sur le pied pour qu'il sache que ouais, il n'est pas le seul à danser. Voilà pourquoi je sors pour te répondre. Nyamro, tu es imbécile là. Toi, tu te prends pour qui même? Dans le clan Bago même là, toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as changé? Il y a un échange alors. Babouda, oh, imbécile là. Tu es malade. Si tu ne peux pas. Et puis le petit là, il ne t'a pas demandé. Est-ce qu'il a demandé ton aide? Hervé Didier, vraiment, il faut m'aider. Le gars, ses parents sont menacés par des microbes. Il tient des discours. Toi, tu es qui au pays là-bas? Mais Babo connaît là, on connaît ses parents. Même dans son village même là. On connaît ses parents. Je dis, dans son village là, il n'est pas aimé à cause du président Laurent Gbagbo. Il est nyamou de ses nyengenou, d'acheter un tout. Tu viens t'asseoir en train de faire les paix. Ni m'lambi, il bout d'Afra, nyamou d'imbécile là. Chien. Voici des gens entiers. Hein. Souvent là, c'est même pas souvent. L'ennemi là, c'est ton ami. Celui que tu considères comme l'ennemi là, tu peux faire attention à lui. Mais celui qui est proche de toi là, lui là, tu ne peux pas savoir. Mais s'il y a occasion là, il va te tuer. Toi, tu vas venir dire, non, les soroïstes là, on doit... Ça, c'est pas mon problème même. Si vous voulez là, marchez avec nous, si vous voulez, ne marchez pas avec nous. Moi là, je vais vous dire, nous aussi, on s'en fout de vous. Mais toi, c'est toi qui me pousses à parler comme ça aujourd'hui. Alors, je vais demander quelque chose ici au président Laurent Gbagbo. Il va dire, n'y a pas de mine, quoi, Hervé Guégué. Quel m'a bouddha, ni ma semboyako là, avec n'y a pas de tien. C'est un gros jaloux. Parce qu'il ne reconnaît pas le combat du petit là. Moi, le petit là, je vous dis, hein, je ne l'aime pas. Mais quand quelqu'un là, même si tu ne l'aimes pas, quand il fait quelque chose de bien là, il faut dire. Gbagbo connaît là. C'est pas quelqu'un que c'est-à-dire, je ne le porte pas dans mon cœur. Pas souvent, c'est sorti là, ça me fait mal. Mais pour une fois, on dit, on va, c'est-à-dire, on va se mettre en. Mais quand le président Laurent Gbagbo là, il a envoyé une délégation, c'est-à-dire, le chapeau même du PPACI là, c'est Soultoussoul qui avait écrit le nom de Gbagbo Laurent sur ce cercueil là. Il a, toi, il est n'importe où. Toi, t'es plus, Babouda, imbécile là, chien là. Il faut arrêter tes trucs. Hein. Ta chance là, au nom de Dieu, ta chance là, moi je ne suis pas en France. Sinon, la marche là, les moutons ont dit qu'ils allaient venir. Non. J'allais tomber sur toi là-bas. Nous, mais toi et moi là, on mène à boire un front. Imbécile là. Toi, tu te prends pour qui? Je te dis, hein, même Satan là, je te dis, Satan là, il a des supporters. Des gens là. Toi, tu peux détourner des personnes dans le clan Gbagbo là. C'est-à-dire les braquer contre le petit. Dis-moi, à part toi et Charles Bleboudé là, qui a chose, comment on dit ça? Qui a ce comportement là aujourd'hui? Toi et Bleboudé là, c'est vous qui êtes contre aujourd'hui. La masse là, ça change quoi? On dit on n'a pas besoin de l'eau propre pour éteindre le feu. Mais toi, tu veux quoi? Il faut dire Dieu merci. Si les saoulés aujourd'hui là, et les Gbagbo connaissent la marche ensemble, il faut dire Dieu merci. Mais pourquoi toi tu es contre? Toi tu peux apporter quoi? Tu peux changer quoi? Tu as apporté quoi dans le combat des Gbagbo là? Tu as apporté quoi? Rien du tout. Quoi, et puis si tu parles d'affaires de Mali encore, Nyeni Gbagbo d'Atrié. Affaires de Mali, Burkina là. Si tu parles dedans encore là, Nyimnambi Gbagbo d'Atrié qu'a dit, mais imbécile là. Tu es malade? Chien là. C'est toi qui dis haut et fort que tu n'aimes pas les nordistes. C'est toi qui dis dans ta gueule là. C'est toi qui dis que tu n'aimes pas les nordistes. Et tu dis que les Maliens vont rentrer chez eux. Les Burkinabés vont rentrer chez eux. Mais pourquoi ils parlent pour des nains qui la bêta nous prendra qu'à voir que la Mbolmiana? Si tu ne peux pas apporter ton soutien au président Laurent Gbagbo là, il faut te retirer. On n'a pas besoin de toi. Hein. Nous luttons aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. On ne lutte pas aujourd'hui pour un parti politique. Nous avons un adversaire commun. Lui, là, Draman Ouattara, là, il doit tomber. Alors, la marche du 13, là, si tu ne peux pas, là, faut la boucler. Tu fermes ta gueule et puis ici. Ok? Tu fermes ta bouche et puis tu t'assois. Parce que le petit est en train de faire aujourd'hui, là, il est massé par un
Ce que Babo Kone est en train de faire aujourd'hui là, il a marché par Ayonsi que des migrants se sont déclarés ici. Mais tout ça là, le petit, il n'est pas découragé. Il prend des risques. Mais pendant ce temps, toi, tu fais quoi? Tu vas sortir, dis oui, on ne doit pas marcher avec le GPS. Donc, tu es en train de dire aux gens que Babo Laurent, il est bête, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce que tu dis. Nyambo te ala du kaflou, se nyengenu, batala. Il faut respecter les gens, le combat des gens là. Il faut respecter. Ok? Ni tu m'as respecté, le jour ni Dieu, il est tombé sur toi. Au nom de Dieu, il est tombé sur toi. Je ne suis pas dans sécurité encore pour dire non, il est fait ma carte professionnelle. Il est tombé sur toi et puis même il blessé qui là, imbécile là. Aujourd'hui, la carte qui monte sur le panel de Babo Laurent, là, Lucas, tu vois des gens qui ne sont même pas en France, qui ne sont même pas à Paris, qui disent, lui, le 13, on serait présent. Mais pourquoi toi, tu sors pour dire non, PGPS, c'est vous qui avez créé le GPS, là. Avoir de Bolalou, quoi. PPACI, là, il a fait quoi dans la création du GPS? Rien du tout. En Côte d'Ivoire, là, vous pouvez me montrer un politique en Côte d'Ivoire, un politicien en Côte d'Ivoire qui n'a pas encore fait des erreurs. Non, arrêtez. Et c'est toi qui, et puis tu te donnes de la valeur. J'ai envoyé, toi, tu es trop puissant. Tu es puissant, allez où? Il est en puissant, quand tu as dit à Lionel. Nyamboti, patala. Alors, rendez-vous le 13. Sortez massivement, on va aller marcher. Il n'y a rien. Le restaurant ne peut rien créer. Nous ne sommes pas à Bobo. De la manière la justice est gérée par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, la justice française là, n'est pas gérée par Macron. Macron peut jouer les cons, mais la justice de la France là, n'est pas gérée par Macron. Alors sortez, tous ceux qui vont faire erreur, ils iront en prison. Garde la vue sur les malades, tu vas faire ça. Et puis tes dossiers là, ça va te suivre. Parce que nous avons été autorisés à marcher. Si vous voulez marcher là, allez-y faire vos demandes. Si vous sortez, vous êtes hors la loi. Et vous avez dit, vous avez fait des menaces. Et puis toi, Hervé, il y a quelle différence entre toi et ceux qui ont dit, on va aller vous découper. Parce que si la marche la prend là, c'est pour tout le monde. Mais si ça échoue là, toi tu vas être content. Ainsi que les moutons, les microbes. C'est ça ton souhait. Mais ça va se faire. Et Inch'Allah, avec Nanya. Nyamwoto, imbécile là. Ni mitabo encore. C'est comme ça que vous avez fait, non? En 2020, là, je voyais des gens qui insultaient Guillaume Soroka au marché ensemble. Là. Mais eux, aujourd'hui, là, ils sont plus là. Hein? Ils sont plus au PPACI. On a vu leur vrai visage aujourd'hui. Ceux qui insultaient Guillaume Soroka, et puis je répondais là. On disait, non, Blende, faut pas que tu vas venir dans notre manifestation. Quand toi tu viens là, il y a toujours pas là. Même si j'étais là-bas, toi, Hervé Guigui. Ni tout le monde mena pour épuis chien dans le mena pays cané. Ni un pays ca. Si tu ne veux pas là, tu t'es retiré. Bon, toi là, depuis que tu fais tes trucs là, tu gueules là sur les réseaux là. Mobilisation que Babo qu'on est en train de faire là. Faut me montrer une de tes vidéos, une de tes manifs où tu as pu rassembler les gens. Attends, parce qu'ils croient là à tout. Alors y en a. Les enfants de ton village là, ils ont eu la chance que tu es venu en France. Sinon, si toi tu restais comme les vieux pères qui jouent à Wallet dans le village là, qui ne savent rien faire là, qui sont paresseux, ils sont assis là-bas là. Mais tu allais bouffer enfant des gens parce que tu es un sorcier. Souvent, il est l'aîné. À tes fois même là, tu es un sorcier. Quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire, souvent, il y a le peu de Shibela Dona. Quand tu vois les gens, au Kouski, on essaie de mettre les gens ensemble. Mais toi, tu vas venir dire, oui, non, on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Bon, il faut dire, je ne suis pas dedans. Il ne faut pas dire on. Parce que si c'était on, là, le président Laurent Gbagbo, là, n'allait pas recevoir soul tout soul chez lui à la maison. Donc, ton on, là, il y a problème dedans. Il n'allait pas envoyer le chapeau du PPACI chez soul tout soul. Il est pour la Kankouma, parce que tu as payé une voiture occasion, quoi. Parce que moi, je n'ai ni la fils Abidila et Kamobri Sangadima, quoi. Et puis, tu penses que toi, tu es arrivé comme ça.
Il aime les gens qui tu dis là. Sinon, ni fait ni mi bojo là qui boit par la yétre là. Tu connais ça? Baba Gila, tu connais? Ni mi bojo là qui il se moi à la wade encore la yétre là. Nyamodon, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Mokron, bête à la gamme là, allez être à la haine. Non, il faut arrêter, faut t'enlever. Si tu ne peux pas apporter quelque chose là, viens pas déranger les gens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même le Satan là, il a des soutiens. Donc toi là, tu peux détourner des personnes. Parce que avec ce que tu avances là, c'est dangereux pour l'union. C'est dangereux. C'est ce que nous avons fait en 2020 là, quand on a échoué. Aller parler dans le dos des gens là, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi c'est maintenant que tu sors? Parce que tu as vu que c'est en train de prendre. Les gens vont venir. Et puis toi, Charles Blegoudé, là, imbécile, là. J'ai vu Black Ol Modo la fois passée. Je suis monté dans son live. Il y avait soit journaliste intellectuel ou bien quoi. Celle qui parle et puis ça appuie, point, point, point. Il est nia, ton visage du André capture d'écran, là. Comme une guerre, quoi, Jean Crasso ou bien quoi, Crasso, là même. Toi, la crasseuse, là. Donc, toi, après avoir profité du bienfait du président Laurent Gbagbo, c'est comme ça vous vous comportez. J'ai posé la question à Modo. Il a dit, Modo, pour le 13 là, vous êtes partant. Il dit, non, nous on n'est pas concernés. Mais tu es dans le même schéma que les Modo. Mais Blé Goudé, sa tête, André, ils ont pris bois pour mettre sur l'épaule là. Toi, tu ne sais pas que c'est à cause de ton comportement, ton soutien à Laurent Gbagbo, à ta manière, à ta guise, c'est ce qui t'a envoyé à l'AE. Et tu ne sais pas que ça cause la libération, l'acquittement du président Laurent Gbagbo là. Que toi tu as été truc aussi. Que tu as été blanchi. Donc tu ne sais pas, l'intelligence te manque. C'est ce que j'ai dit aux gens, l'intelligence là. On apprend, on ne devient pas intelligent à l'école, on est avec. Donc tu oublies que si le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste là, toi automatiquement là, ton nom imbécile Blé Goudé là va être sur la liste. Toi, tu ne sais pas ça. Tu as oublié ce côté-là. Et puis, ton convoi, le jour où tu partais chez toi, là, quoi, à Saïwa, ou bien, je ne sais pas où, là. Les voitures qui étaient dans ton cortège, là, où tu as enlevé l'argent. Mais quand Christ Yapi nous disait que quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, là, tu vas marcher. Que tu vas marcher pour le LHDP, là. Mais c'est pas ce que toi, tu es en. Il y a eu ton lequel là, bien. Ni manana, de là-bas. Mais fétiche, là, ni manana. Moi, je vous dis, chaque fois que j'ai fait dit, mais les gens pensent que c'est amusement. Mais je vais dire quelque chose et puis je vais faire à quelqu'un. Là, vous allez voir, Amen Amboyen. Tant n'y a pas de temps volu que l'ambroise. Toi, Blegoudé de là, tu n'as pas dit non. Tant que le président Laurent Gbagbo est sur la scène politique, moi, si jamais de la vie, je vais être comme ça. Et ta bouche qui pue là, je ne sais pas si c'est la prison qui faisait ça. Quand j'étais assis à côté de toi en prison et puis tu me parlais là, ça me dérangeait. Au début, j'ai pensé que ouais, c'était la salle qui puait. Mais en vrai, c'est ta bouche. Et puis, quand Johnny Pacheco, imbécile, là, nous disait que est-ce que vous savez que Charles Blé Goudé manque du respect au président Laurent Gbagbo, insulte le président Laurent Gbagbo en prison. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Attendez, vous l'arrêtez. Hein? Les lobognons de PPACI, là, arrêtez. Hein? Les canigui de PPACI, là, arrêtez. Hein? Les jaloux, là. Arrêtez. On n'a pas besoin de vous. Si vous ne pouvez pas, là, fermez vos gueules. Et puis toi, Modo, sans le nom de Gbagbo, là, ton blé, là, il est quoi? Il n'est rien. Mais sans le nom de Ouattara, là, Guillaume Soro, il est quelque chose. Parce que lui, il a dit, non, je vais le faire asseoir par terre. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu joues les hypocrites. Ouais, ils m'ont fermé la porte. Porte de fermer les mani ni dakasan. On va pas te fermer la porte et ta bouche qui pue là. On va pas te fermer la porte. Toi qui marches aujourd'hui pour le RIDP. Ah, j'aime là. Ne venez pas me faire crier comme ça matin. Ah, maintenant, ne venez pas me faire parler ce matin là. Faut pas que quelqu'un va m'énerver. Hein. Éveille Didier.
Moi, je vais le dire, le PPACI n'a pas besoin de ce genre de comportement. Donc, ça veut dire que si tu as ce comportement, le PPACI n'a pas besoin de toi. Parce que toi, tu n'es pas plus intelligent, tu n'es pas plus politique que le président Laurent Gbagbo. Ok? Quand le chef, quand ton chef prend des décisions, même si tu ne veux pas, il faut suivre. Le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale ne va pas faire de mort. Donc, il ne faut pas être contre. Tu as deux choix. Être contre, t'afficher, alors tu serais reconduit et puis t'insulter qui bamso betounenu. Deux. Être contre et puis tu fermes ta bouche. Là, comme ça, tu vas dormir tranquille. Laissez-nous en paix. Parce que c'est lui qui a envoyé Dramane Ouattara en exil. 8 ans d'exil là. Henri Konabédié, paix à son âme. Et c'est celui-là que Gbagbo disait qu'on dirait Ouattara a donné du nasidi à Bédié. Voilà pourquoi il le suit comme ça. Ça, c'est la réalité de la politique. Donc aujourd'hui, là, s'il y a un rapprochement, et puis, s'il y a un, bon, j'ai dit, s'il y a un rapprochement entre le PPACI et le GPS, là, ton problème, il est ouf. Toi, ton problème là, il est où? Hein? Toi, tu connais politique? Ne pense pas que tu sais parler le français, hein? Tu n'es pas plus intelligent et puis tu n'es pas politique que qui que ce soit ici. Eric, merci beaucoup. Nyamrodé est là. Il faut respecter les gens. Donc, je vais vous laisser ici. Allez, salam. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites-moi bisous. Abisous, gars. Et quand on aura des bises là, il n'y a pas de bisous que le roi a là. Non, sérieux. Sérieux, on a qu'à se dire la vérité. Hervé Didier est contre la marche. Parce que, il y a feu dans ta maison. Ton voisin, il vient avec le sale. Tu dis non. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème. Merci beaucoup, Diego, pour le bisou. Amiens, salut. Dogba, salut. Maintenant, je peux saluer maintenant. Parce que Ninga Fongo me fourré qu'elle. Maintenant, non, le gars, il vient pour éteindre le feu dans ta maison. Tu dis non, l'autre, il a envoyé là, c'est sale. Mais c'est que tu es con. Tu es mouton. Merci, Luc. Donc, vous pouvez aller, ceux qui travaillent là, allez-y travailler. Mais nous, vous êtes à Misri là. Ah, moi-même, je sais que je suis MBO. Même si on ne me dit pas, je sais que Dieu est fan de moi. Donc c'est l'essentiel. Battre à mort, nous, on ne t'aime pas. Voilà. Et puis, tu dis, ouais, Soro a appelé Alassane Ouattara, tout ça. Gbagbo n'appelle pas Alassane Ouattara. Hein? Merci, Amiens. Salut, Indri. Ça c'est quoi? Toi ton professeur là, ou bien ton maître de l'école là, je sais qu'il t'a trop frappé parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Salut Désiré. Gamel. Tu n'es pas intelligent. Et le 13, les gens nous menacent. Et toi aussi tu rentres dedans. Quelle explication tu vas donner à des humains qui vont te comprendre, sauf les moutons? Mais ta démarche aujourd'hui là, fais plaisir. Parce que moi je sors comme ça et puis je parle là. Mais les moutons sont contents. Qui me pousse à parler comme ça? C'est mon frère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moro, bonjour. Ta démarche là, mais ça fait plaisir. Quand moi je sors, je te réponds là. T'as vu hier là? J'ai pris la vidéo de Bob Oko, Bob le Malien, le vilain Malien qui est né en Côte d'Ivoire là, qui dit qu'il va découper les gens là. Lui là, j'ai pris sa vidéo, où il est en train de dire non, que Taliban Choco, faut pas où les gens vont l'écouter, tout ça là. Par exemple, il appelle les gens, les inconscients là, aller frapper les gens dans marche. Taliban Choco dit non, lui il a été déjà en prison, donc lui là, ils n'ont rien fait pour lui, lui il n'est pas dedans. Mais lui il dit non, faut pas vous aller écouter Taliban Choco. Mais Taliban Choco a répondu. Donc j'ai pris les deux vidéos là, j'ai collé et puis j'ai partagé.
Bon, il est favre imbécile, chien bata, nyamro dala, du tete djougo. Tu veux qu'il n'a qu'à prendre ta vidéo de merde là? Et puis ma vidéo collée qu'a publiée. Que non, ils ne sont pas d'accord entre eux. Si tu ne peux pas, tu sais que tu ne peux pas. Mais si tu ne veux pas, et puis tu ne peux pas, tu la fermes. Je comprends ta position. Parce que tu as toujours échoué. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu de diplôme à l'école. Diplôme, t'es qu'un mbolone. Normalement, toi, tu devrais même pas apprendre de bagarre. Sur les gens qui travaillent avec le corps, sans cerveau, là, c'est-à-dire soulever le gros bagage, là, déposer en haut des bagages, toi, tu devrais travailler dans ça. Brota, nyamroto, imbécile, là, peureux, là. Toi, t'es un homme. Et il est allé à. On dit l'ennemi n'est pas loin de toi. L'ennemi là n'est pas loin de toi. Frère, ça faut faire attention. Président Gbagbo, lui là, il est plus que plein goudé. Tiens, je crois que je vais arrêter. Tiens. On ne me donne pas l'argent. Puis il est venu cuire. Non, mais c'est vrai, ma voix porte. Il faut que je profite de ça. Je ne suis pas n'importe qui dans le pays là. Quelqu'un qui a fait beaucoup de pays. Côte d'Ivoire, France, Allemagne, et puis en venant en Allemagne, j'y passe par la Belgique, Hollande, tout ça. J'ai fait beaucoup de pays, moi. Et j'ai fait le Mali et Burkina. Bon, toi, tu as voyagé là, tu es parti où? Si ce n'est pas les stations de métro que tu fais en France, là. Après Babel, Château Rouge. Il est voyagé là. Abidjan, France. Et puis après, maintenant, tu fais tout maintenant dans le métro. Maintenant, qui a acheté une voiture pour le bâtard là-même? Pas jamais lui, il peut acheter une voiture. PPAC, mon frère Nico, ils sont gentils. Sinon, un mouton comme ça, tu as payé caisse pour lui là. Bataille. Je veux que tu sois énervé. Hein. Et puis, Ningim là, la même, il y a beaucoup d'affaires là. Imbécile là. Chien, sauvage. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut m'envoyer un cadeau. Moi, le cadeau que j'aime là, c'est femme. On est dans moi, des là. Voilà. Si tu as une bonne petite là. Là, c'est bon. Non, t'inquiète. Le jour, on se verra, Inch'Allah. Tu vas me donner le cadeau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon grand. C'est bon. Il faut y régaler. Ça fait des femmes bien. Moi, là, pour ma voix, là, l'argent ne peut pas m'avoir. Si tu mets femme comme piège, là. Non. Femme seulement, non. Blené, il ne peut pas passer. Je suis comme chat. Qui voit poisson fumé. Non, faut pas donner la voix comme mes femmes. Nimiko, qu'elle n'y m'a pas là, il a pas. Si il n'y a pas en train de vous là, et puis l'enfant là, il n'y a pas reconnaître. et puis l'enfant là, il n'y a pas reconnaître. Il est fini dans cette. Il voit quoi, c'est piège, non? Mais qu'on là, il a piège, il a gardé, man. Tu as payé couche. Pompesse, tu as payé ça pour l'enfant là. Non, non. Avec l'agneau, non. Ah, c'est toi qui m'as dit de partir le piéger, mais tu n'as pas marché, j'ai rien d'avoir avec lui. Il attaque. Attaque. Hey, mon vieux père Aston. Non, il y a un fouille. C'est Hervé Didier qui veut nyami la match du 13 là. Mon vieux Aston. Hervé Didier, j'ai un gagné de bien, nyamodon. C'est lui qui veut marcher, c'est lui qui veut nyami la match. Il dit non, faut pas, les gens vont marcher avec le GPS, comme si le GPS là. Comme si on avait, le jour où on créait le GPS, on allait voir PPAC pour dire aidez-nous. Non! On a rien dit la vérité. Moi, aujourd'hui, là, j'aime Laurent Gbagbo parce que quand je regarde, parce qu'on a été tous trompés, hein. Mais ceux qui trahissent Gbagbo aujourd'hui, là, ceux-là, ils n'ont pas été trompés. Aujourd'hui, la personne est trompée parce qu'on voit la réalité. Les bleus boudés, là. Et puis, Moussoni Ngadou, mais tant qu'il dit Tu es quoi là même? Comment on appelle ça? Tu es intellectuel. Et puis, tu dis que tu es photographe. Mais tes œuvres là, on ne les voit pas. Donc tu es comme Alassane Ouattara, le banquier qui n'a jamais fait de livre là. C'est-à-dire dans la bouche comme ça. Diplôme sans nous. Même moi, quand tu la vois même là, avant il est à quoi? Lui, tu t'appuies dessus, quoi, tu vois, quand il parle, quand il faut, elle n'a pas l'argent. What est ta bro? Nous sommes moi, Junior. Tiens,
Quand il parle comme ça, la même langue, faut porter, il faut attacher le babouin, sinon tu baves. Non, il y a vous laisser. Mauvais personne, on est ensemble. C'est où Eric Demezognon. Hein? Eric de. Eh, c'est Demezognon. Attends, est-ce que Demezognon que je connais là, c'est lui ou bien c'est pas lui? Merci beaucoup. À toi aussi, Ibe, le pétrolier. Joël Yapi, salut. Attends. C'est Demezognon. Attends, parce qu'on a, un gars Demezognon. C'est comment? Ah, t'as vu, maintenant t'as enlevé la photo. Ta photo, t'as mis la photo du président. Non, je pensais que c'était Gbagbo. T'as gâté mon cœur. Et puis j'étais en train de crier. Quand j'ai vu ton commentaire, j'ai dit non, ça là, c'est celui qui c'est le président même qui est en train de me commenter comme ça. On dit quoi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, hein. Non, parlez à votre gars là, hein. Eve Didi là. Papa, parlez-le, il n'est pas bien. Hein. Il n'a qu'à arrêter. Il faut qu'il arrête. Il faut que ça cesse, quoi. Voilà, il n'a rien changé et puis il n'a rien apporté. Ceux qui se sont battus là, c'est vous. C'est vous, vous là. Il y a toi, Demezognon, et puis il y a qui même là. Vous étiez nombreux. Mais c'est lui qui profite aujourd'hui. Mais vous avez gagné quoi? Parce que vous n'avez pas cherché à gagner l'argent pour qu'ils achètent voiture pour vous. Vous avez mené le combat avec le cœur avant pour le président Laurent Gbagbo. Mais toi, tu es arrivé nouvellement. Ou bien, parce que ceux-là, ils n'ont pas mis une treillis, quoi. Hein? Quoi, je suis général. Général qui s'est fait arrêter par un cramodin. Juste, il tremblait ces jours-là. Si elle avait une maîtresse ignorante quand les bâtards, là. Toi, tu es garçon. Femme est bourrée. Et alors, l'autre, mon petit frère imbécile, là. Je ne sais pas pourquoi il a coupé vidéo, là, même, quoi. Eh bien, j'ai dit, le jour, au nom de Dieu, il courait à Atme Borlale. Il mangeait maïs, mais maïs, tout ça là est tombé. C'est-à-dire, écoutez-moi, mais tombé tout ça là. Et puis, c'est toi qui as venu te juger. Morté, c'est un vaurien, c'est un trou du cul qui est là, là. Il a peur jusqu'à y apparaître. Mais c'est la France. C'est ici en France, là. On prend les gens. Même, il a refusé de travailler quelque part parce qu'il a vu mon ami là-bas un jour. Il était allé pour être livré chez Chronopost. Quand il a vu mon ami là-bas, là, il a arrêté de travailler là-bas. Il dit non, sa vie est en danger. Là, moi, déjà, comme ça, il dit sa vie est en danger. Il dit pourquoi non? Il dit j'ai été repéré quelque part là dans mon choisi là. Il faut que je quitte là-bas. Et c'est toi qui as venu jouer là. Voilà, il était chez lui. On est une fois, toi, tu n'es pas garçon. Toi, tu es garçon, tu n'es pas garçon. Nyamodin, Kafri, imbécile là. Tu regardes la vidéo là, tu es caché. Mais Ningantor Meida là, a fait des jours que j'ai parlé là, à Dobembro là. Ni mi bou un jour là, qui t'a joué à l'eau là, très bien. Tu as vu ça là, non? Si tu as fait erreur, ni mi bou, n'y a pas mis là, non? Travail que tu fais là, tu vas arrêter à cause de diarrhée. N'y a pas beau qu'elle, tu vas faire caca dans la voiture là. Si tu penses que je m'amuse là, soit encore tu vas parler. C'est-à-dire, tu vas rester à la maison, ni mi bois, ni mi blanc, pour qu'elle est attrait, non. Diarrhée là, tu vois, c'est un compas que tu as payé pour porter. Imbécile là. Parce qu'on s'amuse avec vous, quoi. Vous pensez que mon façon de les bagnards, c'est parce que je laisse passer les choses. Il faut arrêter, hein. Il faut te renseigner. Mon village là, c'est Ousoula là. Faut demander à Ousoula. Nous, on est comment? On ne tue pas. Mais pour te punir là, on est numéro un dedans. Ni mi blanc, pour qu'elle. Tes clients là, ils vont dire, mais monsieur, vous sentez le caca, mais. Nyamrodon. Et puis, il est façon nous, kaoka, boga, kouchi, qu'on a. Déjà, t'as un pied qui est. Au kouchi, prima. Nyamrodon, nous, boba, qu'on a. Il était pas là, sur un imbécile, là. Non, je vais vous laisser. Allez, salam alaikum.